Bonjour à tous, c'est Dorian. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de HIIT cardio training. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération, 3, 4 ou 5 tours. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vraiment travailler le cardio. J'espère que vous êtes prêts. On décompose les exercices ensemble et après on part. C'est parti. Exercice 1, on va bien écarter ce qu'il y a sur les côtés. Attention à ne pas se blesser. On va partir en pas chassé sur le côté. On va faire deux pas chassés à droite. 1, 2, et là on va descendre en squat, toucher le sol avec la main droite. Quand on descend en squat, vous vous souvenez, c'est bien les fesses qui partent vers l'arrière, poids sur les talons, tac, on descend, on remonte, 1, 2, 3, boum, 1, 2, 3, tac, pour ceux qui ne peuvent pas sauter, vous faites les déplacements sans sauter, tac, tac, allez, on en fait quelques-uns, 1, 2, 3, on descend, boum, hop. Pendant 30 secondes. 1, 2. Faites-en que 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Quand vous descendez, vous faites attention à bien descendre de face. Commencez pas à descendre sur les côtés, sinon vous n'avez pas travaillé la même chose, d'accord? 1, 2. Tac. 1, 2. Tac. Ok? Ça sera l'exercice 1. 30 secondes. Exercice 2. On va partir sur du twist. Ok, tout simple, on reste de force. On va venir faire tourner les jambes. On engage bien la ceinture abdominale. Ici, c'est solide, c'est droit. Et du coup, c'est les jambes qui vont partir. Le corps ne bouge pas. Vous voyez, mon buste, il reste droit. 30 secondes de twist. Allez, vous allez voir, on va vite se réchauffer. Voilà, pour ceux qui veulent, vous pouvez mettre les bras. Plus en plus d'intensité ou moins d'intensité, d'accord? En tout cas, le twist, on sent qu'il part bien de la ceinture abdominale et là, ça va être très bien au-delà du cardio pour travailler les obliques. Ensuite, on va partir sur l'exercice 3. L'exercice 3, ça va être une montée de genoux avec un kick. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez mieux. Hop, donc on va venir faire une montée de genoux. Boum, kick, après jambe droite, montée de genou, kick, montée de genou, kick, montée de genou, kick. Vous pouvez mettre un petit peu d'intensité avec des sauts, montée de genou, kick, montée de genou, boum. Ok? Bien sûr, là encore une fois, il faut bien contracter la ceinture abdominale, le gainage. Il faut faire attention à ne pas partir en arrière, il ne faut pas partir sur les côtés. On reste bien droit, montée de genou. Kick, montée de genoux, kick, montée de genoux, kick, ok? Allez, on en fait quelques-uns. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est cardio. Là, on va vraiment travailler. Encore une fois, ceux qui ne peuvent pas sauter, vous ne sautez pas, il n'y a pas de problème. Montée de genoux, kick, montée de genoux, kick. On lance bien le pied vers l'avant du corps. Et c'est parti. Exercice 3. Exercice 4, pardon. Vous allez prendre votre tapis. On prend le tapis. Tac. Pour ceux qui ne peuvent pas se mettre sur les genoux, ça sera une chaise. 30 secondes statique. Vous vous mettez le long de votre mur, de ce que vous voulez. Vous prenez quelqu'un si vous voulez. Vous vous mettez en position de chaise. D'accord? Les chaises, la chaise, vous n'oubliez pas, les genoux sont bien à 90. Et bien... réparti, d'accord? Là c'est compliqué pour moi parce que j'ai pas de mur, mais pour la chaise, faites bien attention si c'est trop difficile, vous remontez un petit peu. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre sur les genoux et on va faire ce qu'on appelle l'ascenseur. On est bien sur les genoux, on va mettre le pied gauche devant. Donc vous voyez, quand je me mets comme ça, le talon est sous le genou, donc à 90, il faut vraiment faire attention à ça. Et là, on va venir monter. Tac. On redescend. Et là, on va monter pied droit. Hop. On va faire deux à droite et deux à gauche. Et voilà, on va faire ça pendant 30 secondes. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Ok, on fait attention à bien monter en sécurité. Là, on va encore travailler les cuisses. Ça va être dur, mais ça va être bien.
Et l'exercice 5, pour finir, qu'est-ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui? Le gainage. Effectivement, un petit gainage. Simple, efficace, toujours. On va se mettre en planche. Ok, position planche. Et là, on va faire un petit tour du monde. C'est-à-dire qu'on va lever les uns après les autres. Main droite, main gauche, jambe droite. Main droite, main gauche, jambe gauche. Gainage dynamique. Souvenez, gainage, on serre bien les abdos, on serre les fesses, les mains poignées sont en dessous des épaules. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre sur les genoux. Voilà, ça marche aussi, bien sûr, toujours en contractant les abdos. Et voilà, pendant 30 secondes, on pourra faire notre gainage. Voilà, vous avez les 5 exercices. Je pense qu'on s'est un petit peu réchauffé tout le temps des exercices là qu'on a pu détailler ensemble. Maintenant, c'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Je lance le chrono. 30 secondes actifs, 30 secondes de récup. Bougez pas. Tac. Allez, vous êtes prêts? Pas chassé squat. 1, 2, boum. 1, 2, tac. Allez. Circuit 1. Faites bien attention quand vous descendez. Le dos bien droit. On descend en squat. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1. Top. 30 secondes de repos. Ok. Quand on descend, on fait 2 pas chassés. Quand on descend, on met les pieds largeurs bassin. On vient appuyer sur les talons, les fesses partent vers l'arrière et on vient mettre la main au sol. Si vous ne pouvez pas mettre la main au sol et que vous pouvez juste faire un petit squat, pas de soucis, ça marche aussi. Exercice 2, twist. Notre corps, notre centre du corps ne bouge pas, on reste tout droit, ok? 1, allez, c'est parti. Allez, 30 secondes de twist. On va faire monter le cardio. Allez, cours à la douce. Un twist again. Une clinique. Allez, allez, on va 15 secondes. On contracte bien les abdos. Allez, c'est super. Allez, 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 courage. 2, 1. Repos. On souffle bien. Vous avez vu, c'est cardio aujourd'hui. Exprès. Roule graisse. Boum. On va être solide. En dépense énergétique sur un exercice, sur un travail comme celui-là, on est là. Ok, montée de genou, kick. Montée de genou, kick. Montée de genou, kick. Avec saut, sans saut, c'est vous qui décidez, ok? 2, 1, c'est parti. Montée de genou, kick. Allez, chacun gère son intensité. Allez, hein, on reste bien droit. Gainé, je veux que tout le monde soit motivé, on continue, allez, 15 secondes. Faites-le doucement hein, si vous n'arrivez pas à être assez moteur dans tout ça, parce qu'il faut de la motricité dans tout ça. Ok, allez, 7 secondes, allez, courage. Hop, repos, on prend le tapis. On rappelle pour ceux qui veulent, position chaise, 30 secondes de chaise. Bouler un peu les cuisses. Nous, on va monter jambe gauche 2 fois, jambe droite 2 fois. Ok? Je vous rappelle, quand on monte, le genou, sécurité doit être 90. Si vous avez besoin de mettre les mains sur les genoux pour monter, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Aucun souci. Allez, 1, c'est parti. Allez. Et on change de jambe. Par rapport. Top. Allez, on part à gauche. Allez, allez, courage. Pour ceux qui sont en chaise, on tient le coup. Allez, encore un. Repos. On finit par mettre gainage et on aura déjà terminé le premier tour. Ah.
Il vous plaît l'entraînement d'aujourd'hui, j'espère. Ouais. C'est cool. Après les fêtes, tout ça, c'est très très bien de se remettre à l'entraînement comme ça. Vous vous souvenez, position planche, donc centre neutre, attention à pas faire le dos rond, attention à pas creuser le dos. Neutre, on contracte les abdos. Ok? Et c'est parti, exercice. Allez, on tourne. Le centre ne bouge pas, le bassin ne doit pas bouger. Il est droit, il est bloqué. Peu importe ce que je fais, il ne se passe rien. Je vais changer de sens. Allez. 2, 1. Fin du premier tour. Allez, on boit tous un petit peu. On enlève le tapis, on fait attention. On va partir sur pas chassé, squat. Je vous rappelle le squat, soit un petit squat, soit squat. Vous venez poser la main au sol. Vous descendez plus bas, ça fait travailler un peu plus. C'est vous qui gérez le niveau de difficulté. Ok? Allez, 1, 2, boum. Allez. Attention quand on descend, à bien descendre droit. Allez, courage. 3. Repos. Parfait. C'est les jambes qui vont pousser et c'est parti. Là c'est vous qui gérez l'intensité. Si vous voulez y aller doucement, vous pouvez. Si vous voulez accélérer sur un peu plus haut, vous pouvez aussi. Et là tout de suite, on sent le cardio qui monte. Allez, on sort de sa zone de confort. Allez, on y va. Bien les abdos, allez, allez, allez. Ah ouais, t'as vu, c'est bon. Allez, allez, on est dans le deuxième tour. Tout va bien. On fait du bien à notre corps. Après, on va prendre une bonne douche. On aura été efficace aujourd'hui. Ok? Montée de genoux. Kick. Ok? 2, 1, c'est parti. Coordination avec les bras s'il faut. Même sur les bras ça marche. Si vous avez des bras gauche. Allez, allez. Allez, allez. Repos. On prend le tapis. Moi j'espère qu'il n'y a personne en face de vous quand vous mettez les couplets par contre. C'est peut-être, j'aurais peut-être dû commencer par ça, vous dire que quand vous faites un kick, pardon, qu'il n'y ait personne en face. Donc ça peut faire mal. Ok, bien 6-4, je vous rappelle, la chaise pour certains, pour les autres. Les autres c'est à s'en faire. On descend. Allez, c'est parti. Allez. On garde le sourire. On pose bien les deux genoux et on remonte. Avec ça, vous allez avoir des fessiers et des cuisses en béton. Respire.
pied, on part sur le gainage pour la fin du deuxième tour. 15 secondes. Il essaie que de frapper, hein, c'est là, il a aimé. Allez, 1, c'est parti. Gainage, dynamique. Pour ceux qui veulent, c'est trop facile. On peut alterner, jambe droite, bras gauche. Et encore une fois, ça ne doit pas bouger du tout, hein, d'accord? Pour les autres, sur les genoux, on alterne. On contracte bien les abdos. Allez, courage. Chacun son option, chacun sa difficulté. Repos, fin du deuxième tour. D'accord, encore une fois, moi j'essaye de vous proposer un maximum de variantes. Chez vous, c'est à vous de savoir quelle variante vous voulez adapter. D'accord? C'est vous, c'est pour vous. Le but, c'est de bien travailler. On passe sur le troisième tour, on n'hésite pas à aller encore un peu plus loin, un peu plus fort, ok? Si vous ne transpirez pas, que vous n'avez pas chaud, c'est pas normal, ok? Allez, c'est parti, pas chasser. Allez, plus loin les pas chasser, plus bas les squats. Allez, 10 secondes. On est dans le troisième tour. Un. Parfait. Parfait, parfait. Là, vous devez sentir, un troisième tour, c'est aller un peu plus vite. Vous êtes descendu un peu plus bas. À chaque fois, on remet un petit peu d'intensité. Ok, c'est pareil. Là, on passe sur les twists. Il faut aller plus vite. Ok, c'est 30 secondes à fond. Allez, allez, courage. Allez, 3, 2, 1, et c'est parti. Allez. On met les bras. On n'hésite pas à mettre les bras. Allez. Allez, allez, allez. C'est top. Ça tracte bien les abdos. On ralentit pas, on donne tout encore 5 secondes. Allez. 2, 1, stop. On récupère, 30 secondes. Alors encore une fois, c'est pareil, pour ceux qui sont très faciles, si vous voulez travailler pendant 40 secondes et prendre 20 secondes de récupération, c'est tout à fait possible. Je vous invite même à le faire. Surtout n'hésitez pas. Mais ce qu'il faut, c'est travailler sur une minute. Avec le temps d'effort et la récup. Si vous voulez faire 50 secondes d'effort, 10 secondes de récup parce que vous êtes des machines, vous pouvez aussi. Ok, allez, montez le genou kick. C'est parti. Allez, on accélère. Hein, on n'hésite pas. On va mettre un peu plus. Allez, on lève la jambe un peu plus haut. Allez, courage. D'être sur les sauts, ça n'empêche pas de mettre de l'intensité. Ok? Repos, repos, repos. C'est parfait. C'est parfait. Allez. 5 secondes. Allez, allez, 3, 2, 1, et c'est parti, 11, allez. Quand on descend, on maîtrise bien la descente, hein, bien sûr. On ne jette pas son genou comme... J'espère que quand vous entendez repos,
Ça vous permet de respirer. Tant mieux. C'est parti. Allez, 14 secondes. Pour le gainage. Allez, on est bien gainé. On regarde bien le sol. Hein. Ok, la tête est dans le prolongement du corps. Ceux qui veulent lever deux appuis en même temps, c'est possible. Deux. Repos. Fin du troisième tour. Si certains nous quittent maintenant, alors merci d'être venus, mais je doute qu'il y en ait beaucoup, parce que vous allez tous pousser au moins jusqu'au quatrième exercice. Quatrième tour. On pense à bien boire. Et ça repart, vous êtes prêts? On enlève un petit peu le tapis. Pas chassé. Squat. C'est parti, quatrième tour. Allez, courage. Top. Attention, on descend toujours. Le dos bien droit. On sent bien que c'est les cuisses qui viennent descendre. Allez. Courage. Un. Repos. Respire bien. Attention le twist. C'est la coordination. Allez. Attention, on fait totalement jambes tendues. Les genoux sont légèrement pliés. Allez, allez, allez. Je mets de l'intensité. Allez. Encore une fois, le corps reste droit. Allez. Allez, allez, allez. Un. Repos. 30 secondes. Bien aussi, faites bien attention à avoir les pieds bien au sol, comme sur cet exercice de toute façon. Quand on se lève, les pieds sont bien au sol. Ok? Allez, 3, 2, 1, allez, exercice. Et on redescend. On monte, on redescend. Allez, boum, boum. Je vais sentir quand vous montez là, clac! Ah ouais, ça bouge les pieds. Allez. Allez, 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 allez. Allez, courage. On y est. 2, 1, repos. Pas sur le gainage. Gainage objectif, ventre plat.
On est sur la fin du quatrième tour, allez. On y est. Faut tout donner maintenant, on en garde tout pour la suite. Vous êtes prêts dans 5 secondes, on part en planche. Ok, 2, 1, planche. Allez, c'est parti. Allez, courage. Allez, allez, on alterne. Jambe gauche, bras droit. Bras gauche, jambe droite. Allez, pour les experts. Allez, courage à tous. 1, repos. Fin du quatrième tour. C'est la cloche. Tiling, 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 tiling. Dernier tour. On donne tout. Allez, mesdames, messieurs. Jeune fille, jeune homme, c'est la fin. On part pour le dernier exercice. Dernier tour. Ok. Allez, pas chassé. Boum. Avec la main droite au sol. Allez, tout le monde vient mettre la main au sol. Allez, on descend plus bas. Allez, c'est maintenant que ça se passe. Boum. Allez, allez, allez. Dernier tour, on donne tout, on part sur le twist. Pour le twist, je veux que ça soit le twist le plus rapide de la séance. Ok, on donne tout. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on twist, allez. Allez, allez, on se démarre, on va plus en plus vite. Attention, les épaules, le bassin, le buste, les abdos, tout est contracté, on reste droit. Allez, allez, courage. Allez, allez, 10 secondes. Allez, on lâche pas. On donne tout. Allez, allez. Hein? Repos. Là, je peux vous dire un truc. La ceinture abdominale, elle bosse. Elle chauffe. Elle chauffe. Allez, montez de genoux, kick, montez de genoux, kick, montez de genoux, kick. 8 secondes. Allez, 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 allez. Exercice 3, c'est parti. Allez. Gérez votre intensité, mais c'est le dernier. Le genou, il vient haut. La jambe, elle monte haut. Allez, allez, courage. Allez, 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 on reste bien droit, on grandit. Repos, plus que deux exercices, on prend le tapis. Hop. Vous allez sortir du confinement, vous allez être tellement facile. Allez, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est pas le moment de se blesser. On peut s'aider, je vous rappelle. Ceux qui veulent, n'hésitez pas à mettre la main sur le genou pour monter. On traque bien les abdos, on reste toujours bien droit, le menton bien relevé. Allez, 3, 2, un dernier pour la route. Dernier exercice, le gainage.
Contracte bien les abdos, on serre bien le dos. Faut que tout soit serré. Le nombril, il est aspiré. Clac. Je mets la gourde devant. Je vais la taper. Allez, c'est la fin, courage à tous. 2, 1, et c'est parti. Allez. Allez, pour ceux qui peuvent, on lance la jambe gauche avec le bras droit. Allez. On change. Bras gauche, jambe droite. Et on contracte les abdos, on creuse pas le dos. Allez. Allez, allez, allez. 8 secondes, courage. 2, 1. Exercice et séance terminée, messieurs, dames. Oui. Que des champions avec moi. Cool. Merci, c'était top. Je sais pas vous, mais moi j'ai transpiré. J'espère que vous aussi un petit peu. Si vous n'avez pas transpiré, franchement, c'est que vous avez pas travaillé comme il fallait. Mais je ne lutte pas sur le fait que vous ayez bien chaud là et que vous soyez content. Là, je peux vous dire, on a éliminé. Allez, on se relâche un petit peu. Oh, allez, on souffle bien. Donc aujourd'hui, on a principalement travaillé le cardio et on a aussi travaillé les cuisses avec les squats, l'ascenseur, montée de genoux kick. Donc tout ça, bien sûr, la ceinture abdominale, les lombaires, pas trop travailler le haut du corps. On alterne, on fait tout. Alors on respire bien, on boit si on veut boire et puis on va s'étirer tranquillement. Allez, on reprend la jambe gauche. En pied, on reste bien droit. Si vous avez besoin de tenir à quelque chose, vous tenez à quelque chose. Aucun souci, on reste bien droit. Donc là, c'est le bassin qui vient vers l'avant. Ne cherchez pas à aller tirer votre pied loin derrière, sinon vous allez vous faire mal à la cheville. Pas ça qui vient vers l'avant et qui vient exercer du coup légèrement au niveau de la cuisse. Allez, on change de jambe. C'est un moment de détente, là on a terminé, on est fier, on est content de nous. On va mettre les mains au ciel, on va tirer sur le côté. La jambe ici devant, on met, et on va venir pousser le fessier vers l'arrière. Vous allez sentir un étirement au niveau de votre ischio derrière la cuisse. Okay. On n'a pas besoin d'aller chercher. Si vous êtes souple, allez chercher, baissez-vous. Mais ce qu'il faut, c'est pas du tout arrondir le dos, c'est vraiment le fessier qui vient, tac, qui vient vers l'arrière. Voilà. Allez, on pose deux jambes. On lève un peu le talon, clac, vous voyez. On a une jambe légèrement fléchie, l'autre qui est totalement tendue, relevé, et le fessier tire vers l'arrière. Allez, on se relâche bien. Allez, un petit peu se remettre sur le côté pour essayer de tirer l'adducteur. Ok, parfait. On monte les bras au ciel. On inspire. Et on relâche. On inspire. Et on relâche. Terminé. Bravo à tous. Super. Une très très belle séance aujourd'hui. Voilà, on a fait 25 minutes d'effort, de travail. C'est top. Votre corps me demande de vous dire merci. Alors merci.
Franchement, c'était génial. On se retrouve très vite pour une nouvelle séance. En attendant, prenez soin de vous, faites du sport, buvez de l'eau, mangez sainement et je vous dis à très vite. Ciao.